Et qu'est-ce que nous voyons dans Colossiens chapitre 3, verset 16? La Bible nous donne le standard de la louange dans les assemblées véritablement chrétiennes. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse et non pas en toute bordellerie ou en toute prostitution, mais en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration d'une directrice artistique. Sous l'inspiration d'un maître de chant, d'un directeur de chorale. Voilà cette femme ayant la mise de prostituée, la ruse dans le cœur, qui pervertit ses enfants. Elle a le culot de juger la soi-disant louange de ce jeune. Ce jeune qui est le passé, qui imite sa manière de chanter, qui se moque de ce jeune.